Mathieu Abrivard, on évoque les chances de Dyskova qui reste sur un échec à Machecoul. Que doit-on penser? Bah, Machecoul, elle rendait la distance, ça roulait pas du tout, ils allaient pas vite et du coup elle s'est retrouvée trop loin. Elle a fait une très belle ligne droite, mais elle a pas pu doubler grand chose pour finir. La jument est en forme, pareil, elle est un petit peu en dents de scie, elle n'est pas toujours régulière dans ses résultats, donc voilà, elle a bien gagné à Laval. C'est une bonne course de femelle, le départ à la volte va l'aider aussi. Si elle est bien lunée, elle peut jouer un rôle intéressant parce que c'est une jument qui a de la facilité mais elle met pas toujours son cœur à l'ouvrage. Donc voilà, si elle est dans un bon jour, pareil, elle a une bonne place à jouer dans le quintet. Mais c'est vrai, quand on regarde sa musique, qu'elle a du mal à aligner deux performances de suite. Ben ouais, donc elle a gagné. L'autre jour, c'est pas une contre-perf, mais elle court pas si mal pour moi à Machecoul, mais ça met un petit zéro. Donc tant mieux, ça peut être pour le quintet de vendredi soir. Et par rapport à Duchesse? Dyskova est meilleure que Duchesse, mais il faut un mélange des deux en fait. Donc voilà, il y en a une qui se bagarre et l'autre moins. Donc en classe pure, Dyskova est meilleure.